Bonjour à tous, c'est Mythidoka, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Frostborn pour la troisième et dernière partie du sanctuaire d'Odin. Donc euh, on va pas pouvoir le faire en entier puisque on n'aura pas assez d'armes. Voilà, on a épuisé notre stock d'armes. Mais bon, euh, ce sera pour la prochaine fois. Euh, pareil pour les croix, euh, je vais vous essayer de les avoir pour la prochaine fois. Lui je ne l'aime pas parce qu'en général je meurs. On va essayer de se faire sans mourir. Euh, bah, je vais mourir. Petite ellipse, je vous dis à tout de suite. Re. Alors, je suis morte, effectivement. Donc, euh, là, il y a tout mon stuff. On va le récupérer. Et on va essayer de l'achever, puisque euh, que ce soit mes camarades ou moi, euh, voilà, on est tous mourus. <laughs> on a mouru, on a trépassé. Voilà. Donc, euh, je crois qu'il lui reste peu de PV, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, nickel. On va l'achever. Vite fait, vient la pépère, impeccable. Alors il nous lâche quoi Oh une croix en or, ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer. Euh, hop sur cette porte là. Alors il euh, y a quoi derrière Ok, un guerrier drogue d'élite. Donc ceux-là ils sont, euh, ils ont pas mal de PV et ils sont assez embêtants à tuer. On va s'en occuper. Vite fait, bien fait. Voilà. Donc, euh, la dernière fois qu'on a fait le sanctuaire d'Oda ensemble, on a été beaucoup plus loin. C'est vrai que là, on n'a pas été euh, très loin. On avait fini cet étage, il me semble. Euh, donc là, c'est vrai qu'on ne va pas aller trop loin, mais on est, on est à 3, pas à 4. Donc, euh, ceci explique cela aussi. La dernière fois, on était à 4. Alors, euh, du coup, ça s'est fait euh, le pillard drogue. Je, je crois que ça ne se prononce pas comme ça, c'est pas drogue. Hein. Euh, je ne sais plus comment ça se prononce, dites-le moi. Vous me l'avez dit en plus la dernière fois dans les commentaires, mais avec ma mémoire de poisson rouge, j'ai zappé. Alors, du coup, on en est où euh, Lui, il fait mal. Aïe, ça pique. D'où l'utilité euh, d'avoir euh, ces potions-là. Euh, c'est un peu l'équivalent du kit de soins dans l'Asda Honors. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors euh, donc ces croix-là c'est mes camarades qui vont euh, les prendre. On va ouvrir ici, il y a des coffres, hein, donc on va pas s'en priver et on va regarder le loot qu'il y a à l'intérieur. Alors là-dedans il y a quoi Ok, euh, les pièces métalliques qui sont intéressantes. Dans celui-ci, voyons voir. Ok, de l'huile. L'huile aussi est intéressante. Hein. Euh, vous pouvez aussi en trouver dans les caveaux. Oh, de la résine et des runes. Ça, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare, donc je suis plutôt contente, hein. c'est plutôt sympa. Euh, je pense qu'on va pouvoir s'ouvrir euh, une dernière porte, peut-être une ou deux à la rigueur, mais pas plus, puisque euh, on n'a plus d'armes. Euh, enfin tout, tout du moins pas assez. Et comme euh, je me rappelle plus de ce qui nous attend derrière, hein, euh, on va pas risquer. Ok. Euh, géant de bois. Lui, on va s'en occuper. On fait attention de ne pas se faire one shot. Voilà, nickel. Petite arme à distance. Lui, il nous en kikine aussi. Euh, D'ailleurs, si ça vous arrive, occupez-vous des petits nerveux d'abord et puis après du géant, parce que le géant, il est un peu plus lent. Voilà, c'est pas lui qui va vous faire le plus de dégâts. Si vous gérez bien votre truc, normalement, euh, vous ne ferez pas comme moi, vous ne mourrez pas. <laughs> Tout simplement. Voilà, après, je suis pas une pro non plus. Euh, je suis comme vous, je découvre. Euh, ça fait que la deuxième fois que je le fais, il y en a parmi vous qui l'ont fait plein de fois. Moi, c'est ma deuxième et euh, bon, mis à part euh, voilà quelques décès, <laughs> ça s'est plutôt bien passé. Allez, euh, on continue. Euh, ouais, ça commence à être chaud, Toto en armes. On va aller par là. Euh, ils sont, où, mes camarades. Ah. Le géant de bois, on l'avait pas fini. On l'achève. Voilà, je pensais qu'il avait fini, mais non. On y retourne. Euh, du coup, c'est par où euh, Que je me perde pas. Je crois que c'est par là. Voilà. Le temps du trajet. Ok, euh, le pillard. On va s'en occuper. Vite fait. Voilà. Ok, euh, les bandes de cuir ça m'intéresse. On va mettre ça là. Et on y go. Voilà. Les trajets sont longs, on fait des allers-retours, etc. Ça, ça par contre c'est pénible. Hein, Puisqu'on est obligé de les faire tourner hein, si on ne veut pas mourir. Ok, le pillard, il va nous gêner et c'est un ermite géant, je crois. J'ai pas eu le temps de voir, mais il me semble. Euh, on va s'en occuper vite fait. Euh, le pillard, vous voyez, le pillard nous dérange. Hein. Donc, il euh, faut euh, impérativement, impérativement, pardon, je bafouille, s'occuper des petits nerveux avant et après, euh, le géant, voilà, vous le faites tourner. Euh. C'est pas bien compliqué. Hein. Avec une arme à distance, ça va tout seul, ça passe crème. Voilà, encore un petit peu. Nickel, allez, ça c'est fait et il nous lâche la corde. Alors ça, franchement, c'est un loot euh, bien maigre pour un géant, je trouve. Hein. Alors, on trouve des cadavres partout ici. Hop, on va par là. Alors, euh, je crois que c'était par là. Voilà. La pièce est ici. Euh, on va soigner les camarades. Je vais attendre. Voilà, mettez-vous là dans le champ impeccable. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut soigner soi-même et soigner les autres. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc là, on va essayer d'attirer les petits nerveux d'abord. Je sais qu'il y a un géant. Donc euh, je pense que ça va être la dernière pièce qu'on va faire parce que j'ai plus beaucoup d'armes. Et euh, ma famille non plus. Donc je pense que ce sera la dernière salle. Après, je vous ferai d'autres vidéos. Bon, je vous passerai le début du sanctuaire d'Odin, où je vous montrerai la fin euh, uniquement, puisque là, vous avez vu le début. Et après, on se fera d'autres sanctuaires, bien entendu, ça, ce sera pas dans les jours à venir, mais dans les vidéos à venir. Voilà, donc je n'ai quasiment plus d'armes. Euh, J'ai plus de chaussures non plus, donc je vais aller en chercher vite fait. Euh, J'en ai, ai dans mon cadavre, je crois. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Allez, on y va. Pareil, petite vidéo en accéléré, sinon c'est trop long. Euh, on va s'occuper du géant. Voilà, il y a le guerrier qui vient nous enquiquiner. On s'en occupe vite fait, bien fait. Et euh, on va se faire le géant. Donc c'est un ermite. Voilà, ce n'est pas les plus difficiles, donc euh, je, on va terminer sur une bonne note. Je ne pense pas mourir ici. Après, on ne sait jamais. Un petit fail, ça arrive à tout le monde. Allez, euh, on y va. Euh, il me reste quoi Il me reste pas grand-chose. Euh, en arme à distance, j'ai ça. On va prendre ça. C'est plutôt pas mal comme arme. Hein. J'aime bien celle-là. J'aime bien. Euh, il est où Il est là. Viens la pépère. Hop, on le trimballe. Je trimballe mon géant, moi ça c'est fait alors du coup euh, on va aller voir dans la pièce euh, qu'on a faite la dernière euh, il y a quelques coffres j'espère qu'on va trouver du beau bon loot on va voir Là-dedans je vérifie, ok, euh, éventuellement je peux boire un coup. Euh, ce qu'on fera, bien entendu, on ne va pas le faire avec vous parce que ça va être un petit peu long, mais en off, on récupère tout en fait. On ne laisse rien, on prend euh, le loot qui nous intéresse. Et puis on fait des allers-retours. Hein. Euh, après, je ne sais pas vraiment, puisque c'est que mon deuxième sanctuaire, euh, combien de temps le loot est disponible euh, Si vous vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Ça nous aiderait, voilà. Alors, du coup, dans les coffres, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh, ça c'est pas mal, euh, des bottes. Oh, du soufre. Voyez, vous demandiez où on trouve du soufre. Au sanctuaire d'Odin. Dans ce coffre-là, il y a quoi Ok, des pièces métalliques, des runes. On va prendre ça. Le reste, c'est mes camarades qui vont l'emmener. Et là-dedans, il y a quoi Ok, euh, du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici puisqu'on n'a plus d'armes. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.